mesdemoiselles, mesdames et messieurs, ce TV du peuple RD Congo en direct de Kinshasa. Oyo, Wabinon de Konabino Arnold Marcelo, Bassa. Désormais, on a besoin d'informer dans les bonnes informations pour les autres toucher la vie, la politique et la mboka, pour les autres toucher la vie, pour les autres avancement et mboka sur le plan politique, pour hésiter désormais pour l'analyse de la TV du peuple. La TV du peuple, pour vous allez informer dans les bonnes informations, pour vous allez informer à la minute, pour vous allez informer à la seconde, l'information sur les autres, ça la rumeur sur les réseaux sociaux, pour les autres, ça la baisse sur les réseaux sociaux. Il nous suffit juste d'aller sur YouTube ou activer la cloche. Pendant, vous allez informer de toutes les vidéos que vous pouvez poster sur les réseaux sociaux. Vous allez informer de la vidéo que vous pouvez poster dans la page de la YouTube. Vous allez informer la temps réel, la temps record de l'information. Désormais, l'andabiso. Et pour ça, la biso bien, vous allez informer de l'information bien, l'information vraie et que vous avez une source fiable. A bientôt pour les prochains numéros. De l'Union africaine. Par vidéoconférence avec le membre du gouvernement Ilunkamba. Plusieurs questions d'actualité sont au menu de cette réunion, entre autres la situation du prévôt entre le gouvernement de la République et le pétroleur du Haut-Katanga. Les comptes rendus seront lus dans les prochaines heures par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, David Gilino Makelele. Durant ses conseils, le ministre, le président de la République et assisté par son directeur des cabinets intérimaire Eberan Casimiro Colombier. Banambo kawale zalaki réunion o et les gars qui lobby réunion o ya gouvernement les gars qui lobby ministre ba ministre o bazalaki et le monde na mboka le président de la République Félix Antoine Tshisekedi to monaki o meni makambo ba lobby les lobby zalaki bi dossier o ezali entre le gouvernement congolais na ba société pétrolière o ezali na mipanzi ya Katanga ba lobby les qui yango pe ba lobby les qui kambo ya sécurité o eza na mipanzi ya Katanga pe ba lobby les qui kambo ezali makamba ba dossier ba conflit wana ya ba frontière entre les alliés qui sont en République démocratique du Congo, monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Ah, quand tu m'en connais, tu as ces matières-là qui pour la dossier, on n'a pas bête qui c'était pour la que peuple à vivre dans la Kimia, pour être Kimia, pour être dans la Mboka, pour n'aïe à Zali Tato à Ecolo, à Zali le premier citoyen, rôle n'aïe moussous les alliés pour maintenir l'ordre sur les bandits, il y a territoire national congolais, sur les bandits, territoire national, à maintenir l'ordre, on n'a pas à côté de Kimia, pour être à Zali garant, il y a bonne institution, pour être à Zali garant, il y a Mboka. Banamboka Togo, bête la bino pédi solo, Oyo. Ezali ya dossier à FDCA, Oyo, de Konabiso, Oazali patron ya territorial, M. Gilbert Kankonde, Oyo, après ça qui a vu na épée à l'Oba qui prend dans ma cambo, Oyo, Ezali de doublement ya parti, FDCA, Oezali ya M. Bahati, le Pueblo de sénateur. Balobi, dissidence dans l'FDCA, Gilbert Kankonde, prévoit à la loi qui interdit les dédoublements des partis politiques. Répondant à une correspondance de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo et alliés, où est Benjamin Namukuse, AFDCA, un rapport avec les dédoublements dont elle fait l'objet, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, a brandi la loi qui interdit cette pratique. Il y a un peu de temps que le dédoublement n'est pas un parti politique. Loi d'Abisso des Alliés interdit de doublement, on a donc de doublement parti politique au conseil de la matière. Il y a tout le monde qui était messieurs. Bah, tu le crois, vous n'êtes à l'ombre qui n'a FCC, à l'ombre la FCC à qui mon bandit n'a yé. Il y a un mot à battre FCC parce que c'est là qui n'est loco à la dé. Il y a un mot à dire qui m'a l'amour quand elle est cool à ça la deux parti politique n'a yé. Oh, il va dire qu'on fait AFDC pour la basse la dédoublement à partir. On a juste pour la pourquoi ça, mais c'est. Bah, tu le crois, vous m'avez dit que nous sommes en partie à AFDC, à battre le compte à la partie à Néné. Pour être blessé, bah, tu le crois, vous avez dit que nous sommes en partie à Néné, ça n'a pas cassé. Il y a un moment où nous sommes en Gilbert Kankonde, l'état des patrons de la territoriale, l'état patron, il y a ma belle à Congo, l'état patron, il y a un hôtel à ma cambo, il y a un hôtel à ma cambo, bah, eux ont régi ma partie politique. Alors, qui était de doublement la partie, la moque à Congo de doublement parti politique, ils ont reconnu tes lois, ils ont beaucoup à Yango. J'en appelle donc à le parti concerné par ce litige au respect de la loi du 15 mars 2004, spécialement à son article 7 qui interdit les dédoublements des partis politiques en République démocratique du Congo. Renseigne une correspondance du ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde datant du 12 août 2020. Elle indique
que cette loi constitue le fondement des partis politiques en République démocratique du Congo et ne doit subir aucune obstruction dans son application. Dans sa lettre du 19 juin 2020 au ministère de l'Intérieur, l'AFDCA a qualifié l'arrêt de la Cour constitutionnelle, se déclarant incompétente pour constater sur la décision de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale confiant la supervision du groupe parlementaire AFDCA à ses députés, lucidant l'injuste. Tout en dénonçant la tentative d'encourager les dédoublements des partis politiques en République démocratique du Congo, la conférence de partis de la AFDCA a dénoncé un déni de justice. Le peuple congolais et l'opinion publique connaissent la vérité sur le parcours de la AFDCA depuis sa création jusqu'à la présentation de la candidature de son président et autorité morale modeste Bahati Lukwebo au poste du Sénat de la République démocratique du Congo a indiqué un communiqué de ses regroupements politiques. Tout en affirmant sa confiance à la justice congolaise, la FDCA à cette même occasion exprimer sa détermination à saisir les juridictions nationales et internationales des compétences en vue du regroupement définitif de ce droit. Il convient de rappeler que dans son arrêt sur la question, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de statuer sur la problématique de dédoublement du groupe AFDCA. Bana mboka yango to mona kinde ko ba ti kwa bu alobi ete ye ako kuka maboko na ete ako lembate pe ako saisir ba juridiction nationale compétente pour ako traiter likambo oyo so ki pe décision ya malamu e monanité azali pe près ako saisir ba juridiction internationale pour ete ba kata likambo oyo etali de dedans ya parti na ye ayebi ete banda ba ti kwa bu alongwa ki na FCC a se présenté étant président il y a ensemble et à Sénat a postulé qui tout monde qui que bande FCC ba se pela qui na eloko wana te banda ju wana baza côté na yeli ba ya na makambu tu a dit pour ça là pe ba lingi ba contrer pour na yeti ba limi sa parti o ya ba tu le quoi vous fait pas réduire en ayant yango bana mboka to songa pe si moment mouki hein to mettre la bino point moko peu ezala ki lobi na réunion ya 44e réunion ya gouvernement wana na mona mboka pe 130 Donc on a dit que lors de la réunion où M. Félix Antoine Tshisekedi a instruire la marine Toumbanzeza et celle de l'Angouli de régler la situation qui traverse les diplomates de la République démocratique du Congo. Et on a journal de Tshisekedi, lors de la 44e réunion du Conseil des ministres, qui s'est tenue vendredi le 14 août 2020, par vidéoconférence, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Wamulumba a été informé de la situation actuelle que traverse le mission diplomatique et le personnel lui attaché de la République démocratique du Congo. Pour Félix Antoine Tshisekedi, cette situation n'est pas d'une et ternie. L'image de la République démocratique du Congo cherche à répandre sa place au concert des nations. Le chef de l'État, Tshisekedi, a souhaité une prise de mesures urgente et rapide pour lui mettre fin. Sur ce, Félix Tshisekedi a instruit rapidement Madame Marine Toumbanzeza, ministre des Affaires étrangères et coopération régionale, et le ministre des Finances de s'y prêcher sans brûler et de lui faire rapport à ce sujet à la prochaine réunion du Conseil des ministres qui aura lieu le vendredi 21 août prochain. Il y a un autre monnaie qui était M. Félix Antoine Tshisekedi, a délégué qui va ministre à l'Oyoke. Pas qu'elle est, au solo là, mais va trouver une décision à l'amiable avant tout comme le 21 août prochain pour écouter la 45e conseil. Il y a un ministre là de Félix Antoine Tshisekedi. Il y a un web si on va qu'elle est dans le mbango, va trouver ma solution team, va trouver ma solution avec M. Augustin Kabuya, à quelqu'un qui m'a pensé à principe à l'Obé qui est comme moi, quoi, et ça n'est plus le best ou est-ce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Le Bali Kabuya, mon ami. Voilà à Zolo Bali Kambotali, relation, Likambotali, coalition entre FCC Nakashi, Yangondebo, Augustin Kabuya, P. Alobelaki, Yangon, Amokolo, Yalo.
Kabuya, nos amis ont géré ce pays pendant 18 ans, mais rêvent encore de récupérer le pouvoir pour nous maintenir dans des mauvaises conditions qu'ils nous ont laissées. Madame Bokayango, avant ton compte dans la liste, tu es FCC, famille politique FCC, na ba lié na union so ba dirige chaque mboka oyo pendant 18 ans. Mais puis nous avons ça la mboka oyo situation nous Félix Antoine Tshisekedi a coupé la kimboka oyo. Ba condition ni Félix Antoine Tshisekedi a joué la kimboka oyo. Pe le loto comme wa pina mboka oyo. To comprendre que mboka oyo petit à petit les a facilité. Bon attention que ça mboka oyo sur les droits chemin. Bon attention que ça mboka oyo. Na ba condition ya malamu, il faut ba sacrifice ébélé. Il y a un moment mboka Félix Antoine Tshisekedi a joué ça la nuit. Mais de tout ce monde, on a quand même FCC, de tout ce monde, on a quand même un peu de pouvoir. Mais on a quand même un pouvoir. Pour être, même ma peuple est sous la misère, pour le peuple, à ce qu'il est là, pour ma petite à petite, on a encore Félix Antoine Tshisekedi. Augustin Kabuya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, n'y est pas allé par les dos de la cuillère ce vendredi, le 14 août 2020, pour fustiger les ambitions politiques du Front commun pour le Congo, les FCC, leur partenaire au sein de la coalition au pouvoir. En accroire le numéro 2 du parti présidentiel, le FCC dont l'autorité morale de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila Kabang ambitionne de récupérer le pouvoir lors des prochaines élections prévues en 2023. Yango bana mboka pe biso etant que ba panzi mboka biso etant que peuple première ya mboka oyo toko se plena likambo oyo o etali retour ya président ancien président Joseph Kabila na kiti ya bokonzité pour ce tsala nenge to souffrir pendant ces 18 ans kotanga na passe courant passe mai passe kolia na passe social ya peuple ezala ki na passe ezala ki na misère yango mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na makoki ya mukien na ba bonne ambition na ye na ba œuvre na ye tomoni ke social ya peuple petit à petit les autres qui n'ont pas s'améliorer mais tout le monde a cette ruse wana tout le monde a une stratégie mauvaise une stratégie moko oyo famille politique ya FCC bazo ko monté pour la raison en sous dans pour 2023 yango wana to kotela bango liba ya peto ko ndima yango ti peuple a côté le peuple qui t'a nandé là pour la boya retour ya cabine na bokon to ko boya yango pour être mboka oyo les autres souffrir bon mboka oyo ce que commune état oyo to sala ngole les autres mboka oyo commune en misère à outrance le la misère moko a géré le les en moi mboka Joseph Kabila, Moutou, Hazard, en tête de ça. Il y a un mot qui est tellement là, les disciples, les gens qui sont tellement là, ils sont tellement là, ils sont tellement là, ils sont tellement là. Il y a un mot qui est pour moi, c'est le régime qui est le cas qui est le cas. Ce mot est l'inspection générale de la finance. Et quelqu'un qui peut déposer un rapport sur les détournements présumés des derniers publics. Je vais déposer chez Sylvestre Inou Kamaro, le patron du gouvernement. Après que je vais déposer le rapport, mais c'est Félix Antoine Tshisekedi. L'objet de mon équipe, je vais pas Inou Kamaro, je vais déposer le rapport, c'est l'inspection, je vais déposer le détournement, il y a 100 millions et par ancien ministre en abus. Il y a un bon emboka. Tous les habitants mettent les billets du solo wana lobby. Il y a un rapport au bac qui déposé lobby par patron du gouvernement ou Azali Monsieur Sylvestre Ilunga. Le rapport d'audit des missions effectuées par l'inspection générale de finances, donc le régime financier, service étatique et para-étatique depuis mi-juillet, a été déposé le jeudi 31 août chez le premier ministre Sylvestre Ilunkamba et donc les deuxièmes personnalités de la République démocratique du Congo a fixé sur les contours du travail jusque-là abattu par l'équipe de Gilles Alingedi. C'est le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge de l'économie et des finances, Guilain Niembo, et de l'inspecteur général de l'IGF, Gilles Alingedi, qui ont fait les déplacements de la primature pour échanger avec le chef du gouvernement ses rapports d'étape de mission de contrôle de l'IGF déposé auprès du premier ministre est une façon pour le président de la République et l'IGF de partager les données en vue de évoluer sur une mission diapason. Une même diapason. Pour le directeur adjoint de Félix Tshisekedi en charge de les coffres,
Il était question de faire un état des lieux au Premier ministre. On n'a pas toujours tous les paramètres extérieurs. Le contrôle fait partie de ce paramètre de la gestion des finances publiques, a expliqué Guylain Nyembo. Il a ajouté que c'est que s'il y a des niches que le chef est en train de dénicher pour la présidence de la République, tout comme de la vie de l'UGF, il y a un encadrement organisé au niveau des recettes de la Banque Centrale du Congo, BCC. L'UGF est là pour donner des orientations, à déclarer Guylain Nyembo. Yango ba namboka to se sabino yango elo komese Augustin Kabuya a insisté qui na yango mokolo ya lobby. Aloba ki ese, si le chef de l'État n'avait pas cette bonne éducation, cette histoire allait s'arrêter dès le premier mois. Pino moko mozo mona inspection générale de la finance tango a ke ko inspecter. A comprendre vite que il y a eu beaucoup de détournements ya ba. Ya mosolo ya l'État et pas bande konna biso ya FCC. Il y a un peu de ceux qui t'attendent à l'école de Félix Antoine, tu sais qu'il y a des gens qui ont vu ça bien, pas des gens qui ont été coalition Oyo, et les gens qui ont été souka, et Kabonaka dans le premier mois, et les gens qui ont été souka. Il y a un à continuer qui est le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, a une fois de plus fustigé l'attitude de leurs alliés au sein de la coalition au pouvoir, le Front commun pour le Congo, FCC. En accourant Augustin Kabuya, le membre de cette plateforme du gouvernement, dont l'autorité morale de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, ne sont pas sincères dans leur démarche. Déclaration faite par le numéro 2 du parti présidentiel ce vendredi le 14 août 2020, à l'occasion de l'ouverture de la conférence atelier organisée par les jeunes du parti, en marge de la célébration de la journée la jeunesse de l'UDPS. Il a dit, nous sommes dans une coalition. Vous savez dans quelles circonstances nous avons formé cette coalition. Mais malheureusement, je peux vous le dire personnellement, je suis déçu par les rapports au comportement de nos partenaires. Ils ne sont pas sincères dans leur comportement. Si le chef de l'État n'avait pas cette bonne éducation, cette histoire allait s'arrêter dès le premier mois que nous nous sommes retrouvés ensemble, a déclaré Augustin Kabuya. Pour rappel, le climat au sein de la coalition FCC Cash a souvent été tendu depuis la mise en place de cette coalition. Plusieurs crises sont déjà déclenchées, conduisant le décan de menace de claquer la porte. Les dernières crises en date sont celles liées à un dérinement de Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale comme président de la CENI pour les comptes des confessions religieuses et les propositions de loi Mina Kusakata sur la réforme de la justice. Pour exprimer son désaccord suite à ces deux faits, l'IDPS avait organisé une marche de protestation le 9 juillet dernier à Kinshasa ainsi que dans plusieurs villes du pays. Des manifestations qui avaient occasionné des dégâts matériels et pertes en vies humaines. Malgré ces tensions, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait déclaré que la fin de la coalition FCC Cash ne peut pas à l'ordre du jour. Moi, je suis Félix Antoine Tshisekedi. Na kwani oyo ya salina yango na mayele oyo azalina yango albaki ke fin ya coalition FCC Cash ezali à l'ordre du jour te poete azali kota la lelo te mais azali kota la lobby azali kota la eloko nini ekoki kobima après que coalition FCC Cash bakabwani soki bakabwani répercussion wana ekoza la sur population, répercussion wana ekoza la sur peuple, pe ekoza la maman na trouble na mboka, pe mboka ekoza la dimete mboka ekoza la plonger encore dans la difficulté. Ya wana bwana na ye, na mayele na ye, de conférence Antoine Tshisekedi o azali papa wa ekolo, aloba ki tiki FCC Cash coalition ezo continue pe ordre du jour ya ko kabwana ezali te yango peuple aloba ki te papa wa ekolo Félix
ce que dit Azali en quelque sorte pour battre la coalition wana Azali en quelque sorte pour protéger ba membre ya FCC oyo justice eli eti ya maboko ya wanto zeb sabana mboka que TV du peuple oyo Azali TV ya bana mboka Azali TV ya bosolo Azali TV oyo pesa ka information et kitoko TV oyo za koyisa bino ke mais c'est Antoine Félix Tshisekedi Azali ko protéger bah imboka mais Azali ko protéger bah il y a FCCD pour la soirée bah Azali ko protéger bango mais les états de droit de l'homme c'est ça la musa la dit tout ce monde bah Henri ya Azali la bah convocation parquet de convoquer et pour la quête de répondre la motion de Azali 100 millions de détournement voilà ce que Azali ko protéger bango mais parquet et bien la quête de signer la convocation la dit moi n'importe quoi Félix Antoine Tshisekedi Azo battre là d'abord social y a peuple Azo battre les peuples et vivre là Kimia trouble et ça là n'importe quoi. Il y a moi la journal de MC sur l'essentiel est de regarder d'abord les intérêts du pays et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays. Donc, nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition. Ça c'est certain. D'ailleurs, en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de layer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même déclaration avait déclaré Félix Tshisekedi le 16 juillet dernier à Brazzaville. Ah, banamboka. Et donc, quand ils sont comme ça, ils allaient mailler l'eau de Félix en train de se faire des plans à Yango. Tiens, je vais vous penser que la coalition FCC Cash et qu'on pense à la coalition FCC Cash est commis à terme. Moi, je n'ai pas Félix Antoine Tshisekedi, à ce assuré de l'OK. Coalition, on a et ça lit toujours ensemble. Hier, à ce a visé intérêt commun, à ce visé intérêt à peuple et non intérêt à la groupe, à tout le monde, intérêt à l'individu, à quelconque. Hier, à l'OBIET, Mboka Oyo, Ezali Mboka, Yabana Mboka, Ezali Mboka, Ya Peuple. Cela veut dire quoi? Il y a Azo Milité d'abord. Azo Lité, Pona Ete, Mboka, Ezo Rassure les trois chemins, Pona Ete, intérêt Ya Peuple, Ezala au rendez-vous, et non pas intérêt Ya Ben, tu m'en prends quelqu'un. Yawana Mboka, le but de Bete la Kibino du Solo, Yan Riyav, Oyo, Aboya qui peut répondre à l'invitation, la convocation Oyo, parquet à Tindela Kiyé. Il y a un mot de lobby, dans l'affaire où est allé 100 millions de monnaie qui est une deuxième convocation de comparution contre Henri Yav en gestation. Dans lobby, une deuxième convocation serait en gestation au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe contre Henri Yav Moulang. Des sources judiciaires renseignent que l'ancien ministre des Finances ne s'est jamais manifesté par rapport à sa première convocation lui adressée pour le jeudi 13 août à 12h pour le parquet, c'est juste un refus de la part de sept anciens membres du gouvernement Tshibala. La procédure nous exige d'envoyer une seconde convocation et on verra la suite. Confie-t-on. Convoqué jeudi 13 août à 12h au parquet général de la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, l'ex-ministre des Finances, Henri Yav Moulang, ne s'est pas présenté au palais de justice. Une source proche de l'intéressé contacté par Actu7.cd affirme l'absence de l'ancien argentier et explique cela par la simple raison que la justice en question est incompétente. Henri Yav Moulang doit éclairer le magistrat sur les 100 millions versés en 2015 par la société Mutanda Mining, pris comme mining, pris comme avance sur l'impôt, sur le bénéfice et profit. Un document d'archives, tombé dans la rédaction d'Actu7.cd renseigne que l'ancien ministre des Finances avait bel et bien demandé au gouverneur de la Banque Centrale du Congo, BCC, d'encaisser cette somme. Dans cette correspondance datant du 8 juin 2015, Henri Yav a demandé à Deogracias Mutombo, par dérogation à l'article 6 de la réglementation d'échange à l'RDC sur 25 du 25 mars 2014 et de
ma note circulaire numéro 003/CAP/Ministère/Finance/CTR/2013 du 5 mars 2013 et a demandé au gouverneur de la BCC d'encaisser en monnaie étrangère USD à titre exceptionnel au profit du compte réservaire des impôts DGE numéro 11/050/2009/DGE la somme USD de 100 millions de dollars américains représentant l'avance sur l'impôt sur le bénéfice et profit versé par la société Mutanda Mining. Selon la même correspondance, Henri Yav Mouland avait estimé que cette opération s'est faite conformément au protocole d'accord signé entre cette entreprise minière et la RDC en date du 7 janvier 2015. Il y a Mboka, une première convocation, Batinda qui est en de Henri Yav a fait de justifier Mosolowana a 100 millions Oyo compagnie, Mutanda Mining a fait ça qui est pas naïe, Oyo a tinda qui en repos n'a pas côté la banque, pas créé compte Moko, et pas de Cassias Moutomboaz, elle a dit gouverneur Yaba. Yango Banamboka, mais c'est Henri Yav, a Boya qui correspond à l'invitation Oyo, parqué à tinda la qui est, Yango Tomonique une deuxième convocation en gestation. Bona de Henri Yav. Il y a un autre monnaie que ceux qui appuient le sous pour répondre à la deuxième convocation au parc à côté de la haie. Donc, Mona, est-ce que ma côté a une mandat de comparution to Bako Tinda ba élément ya police ba sala musala na bango justice sala musala na ye par rapport ya likambouana. Il y a un bon ambo ka ceux qui étaient Monsieur Yav, Henri Yav, à mon avis que Mosolo wana et quoi qui la tête à l'état. Mon solo wana et quota qui n'a oyo et ali mokou ya l'état faut que la justice a que le conseil justifié alors ba yete mon solo wana na zoaki et sala ki musala boue 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 mon solo oyo na zoaki to sale la ki yongo musala et quota qui na banque la BCDC mon solo wana to quota sa ki yongo quelque part mon solo to sale ki na yongo boue et yongo justifié so ki ba moni ke ba justification na et ali vrai justice côté et ma côté mais ce qui te monnaie de ça que convocation est libre sur aboy ok deuxième convocation en gestation ce qui peut aboy ok pour comprendre que Mosolowana et Zali qui rien que détourné il y avait donc comprendre que Zali clique moko donc comprendre que Zali association y a battu moko au bas des tournois qui Mosolo y a 5 millions wana peut biso to ko le bien côté to ko le bac justice et ça là Mosala naya banamboka dossier à souka auto ko peut la bino Ezali dossier Oyo Ezali Congo central ya ndoko atu matukwana o Ezali gouverneur ya Congo central to mona ki président de la république dans conseil ya 44e conseil ya ba ministre a lobela ki pe dossier Oyo Ezali ki ndoko atu matukwana ndoko président de la république a lobaki le président de la république ne soutient aucun camp et est favorable à une solution au niveau local. Lors de la 44e réunion hebdomadaire du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par visioconférence, le dossier du gouverneur du Congo central Atou Matukwana a été évoqué. D'après une source gouvernementale qui s'est confiée à 7 sur 7.cd vendredi le 14 août 2020. Ce dossier a été soulevé par le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale Steve Mikal en marge de la présentation du rapport de la mission du ministre délégué aux anciens combattants sur une concession de ce ministère spolieux. En accroire notre source, le président de la République a déclaré qu'il ne soutient pas le gouverneur du Congo central Atou Matukwana. En outre, poursuit-elle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait savoir qu'il voulait que ces problèmes soient réglés au niveau du Congo central entre différentes parties concernées. Pour rappel, le Congo central, Guinée de Vinci, province de la République démocratique du Congo, est en crise institutionnelle depuis une année maintenant.
le gouverneur Atou Matoukouana qui a été contraint de démissionner après un arrêt de la Cour constitutionnelle a estimé dans sa réplique que la haute cour a été gravement induite en erreur en validant le vote de la motion de défiance contre lui et a refusé de démissionner. Face à cette situation, une marche de protestation contre l'attitude du gouverneur Atou Matoukouana avait été empêchée par les forces de l'ordre il y a quelques jours. Dans le but de réunir tout le Nekongo autour d'une même table, les chefs coutumiers Mfutu du FIMA a organisé le 12 août dernier des consultations avec les caucus des élus du Congo central pour pallier la crise politique qui traverse la province. Dans une interview accordée à sur cette pensée, Georges Matoko, la présidente du caucus de députés provinciaux du Katanga, du Congo central, dirais-je, a salué l'initiative prise par les chefs coutumiers. Il y a un autre monde qui était M. Félix Antoine Tshisekedi. À le billet, à Kokot Samakambouana, Makambouana et Koki Kozala géré. Au niveau local, Koki Kozala fait une décision à la miwable, Koki Kozala a compromis pour la paix. Moka et Kotamboula bien. Bazalina notable, Bazalina na gouvernement, Moko Kuna, Bazalina assemblée provinciale. Bakoki se mettre autour d'une table, Bakoki décider sur la question Oyo Etali, mais c'est Atou Matoukouana. Banamboka à l'ordre du jour, Yamou et Zalaki, ba élément Oyo, Bissolo Nabino, ba élément Oyo, tu informé Bino, Namokolo, Yalelo. Yango na zo rappelé Bino Kaka, équipe Nangai, Nangamokope, Tokitaki, Awa, na siège, Yali, les pèses, Wesali, parti. Au pouvoir, vous allez partir, il y a le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Yango, Banamboka, Lobaki Mingi, qui a sur le terrain, qui a le siège de la mission à IDPS, Yango, qui a le peuple, Banamboka, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, Zambé abatte la présidente de la République, Yamboka Oyo, Zambé abatte la. Peuple premier à Yamboka Oyo, après sa mission Mayele, après sa mission Bwana, après sa mission détermination, mais tout militer toujours pour l'avancement Yamboka Oyo. Donc, au prochain numéro Mokolo Wadoki.